On est de retour sur Dare to Zlatan. Ça fait plaisir en vrai, franchement ça fait grave grave plaisir de faire le retour de cette série et de recommencer tout proprement. Bien sûr, ça sera en live sur Twitch. Toutes les rediffusions, ça sera sur cette chaîne YouTube, bien sûr. Vous inquiétez pas, il y aura de la rediff. Mais c'est vrai que c'est plus sympa de participer à Dare to Zlatan en live. Bref, explication en vitesse pour ceux qui ne connaissent pas les gars. Je faisais Dare to Zlatan à l'époque sur FUT 15, FUT 16, FUT 18, FUT 20. Et à chaque fois je terminais pas parce que j'avais pas du tout le temps et puis les crises d'angoisse etc. Bref, je raconte pas ma vie, mais ça m'a tout gâché. Du coup, je commence sur de bonnes bases. Dare to Zlatan, c'est quoi les gars? DTZ pour les intimes, c'est simple. T'as un compteur de but, un compteur de crédit, un compteur de passe D. Les passe D, on s'en fout un peu, mais ça rapportera des crédits justement de faire des passe D. Des objectifs à faire, donc là on en a plusieurs, plus des malus. Donc explication. Pourquoi faire des crédits les gars? Vous allez voir, j'ai tout mélangé les anciens concepts de Dare to Zlatan avec les nouveaux de Dare to Zlatan que j'avais fait. En fait j'ai mélangé tous les Dare to Zlatan, FUT 20, FUT 18, etc. J'ai tout mélangé, j'en ai fait un seul, pas trop mal. Donc les objectifs pour faire des crédits, vous voyez, victoire plus 1000 crédits, nul plus 500, premier but plus 500, voilà tu vois, tu fais un doublé, t'as 1500 crédits, les malus, tu fais une défaite, t'as moins 500 crédits, etc. Ça c'est pour gérer le budget. Donc ça c'est bien, budget, on a les objectifs à faire, le Z, bah du coup c'est la priorité du truc. On est, vous avez capté, pour les anciens, pour les nouveaux les gars, vous inquiétez pas, ça va être très facile à comprendre. Il y a juste à faire les objectifs pour avoir des crédits, tout simplement. Ensuite, j'ai mélangé avec un autre concept de Dare to Zlatan que j'ai fait quelques années auparavant. Il y a le compteur de club et sélection, donc c'est très simple. Pourquoi faire des crédits les gars? Car on a besoin d'avoir des crédits pour faire les équipes suivante. Par exemple, si je veux valider mon compteur Malmö 0 sur 18, faut que j'entoure Zlatan de joueurs de Malmö. Tu vois le délire? Donc faut avoir des crédits pour faire l'équipe de Malmö. Après on revend tout, on fait une équipe de l'Ajax, on revend tout, on fait une équipe de la Juve. Et comme ça, on peut valider les buts du Z. Parce que là par exemple, je vais débuter, les buts vont pas être validés. Les buts du Z vont pas être validés. Donc ça permettra juste de faire des crédits au début. Bah, vu qu'il n'y a personne autour de lui, bah, il va mettre des buts pour faire les objectifs. Donc les objectifs, je le rappelle, objectif doublé, premier but, etc. Vous voyez, je les rajouterai après. Quand on aura 50e but, il y aura 70e, il y aura 80e, etc., etc. Vous inquiétez pas. Mais une fois qu'on aura mis les buts avec le Z, on pourra l'entourer de joueurs de son ancien club. Donc la Malmö. Et là, on pourra justement valider les objectifs de but, donc 1 sur 18, 2 sur 18, 18 sur 18, bref, vous avez capté, faut que les joueurs de Malmö pour pouvoir mettre des buts validés, tu vois. Donc 0 sur 578, je pense qu'on va passer des très très longs lives, et ça le fera tranquille. Je vais me focus uniquement sur cette série les gars par contre, ça sera uniquement sur cette série, un petit peu le Melting Club, mais sinon ça sera focus à fond Dare to Zlatan, parce que c'est vraiment la série phare de ma chaîne déjà de base. Quoi, c'était vraiment la série phare de ma chaîne déjà à l'ancienne. Mais là, pour revenir, tranquille, retour aux sources, ça me fait plaisir. Moi, j'ai grave envie d'y faire. En plus, on a un Zlatan hyper puissant. Donc là, on va le montrer quand même. J'ai enlevé les objectifs. Hop, on a un Zlatan hyper puissant en termes de stats. 5 étoiles GSTEC. Donc, il y a tout qui est réuni pour faire du sale. Donc, en tout cas, ça me fait plaisir de revenir, les gars. Sur ce, passez une bonne journée. C'était la vidéo explicative. Demain matin, live pour le premier épisode de Dare to Zlatan, encore une fois, je me répète. Live demain matin, encore une fois. Il y aura des objectifs aussi abonnés. Objectifs abonnés qui permettront, par exemple, je sais pas, si un abonné met en commentaire de la chaîne, de la vidéo YouTube, par exemple, si quelqu'un met en commentaire, fait un doublé de la tête avec le Z, je prendrai son commentaire, je lui mettrai un objectif abonné. Et si je le fais, ça me débloquera des joueurs. Donc là, par exemple, je prends Giroud. Et pour le prochain épisode, on aura le droit à Giroud en, bah, en super sub, quoi, en soutien avec le Z, qui pourra venir jouer avec lui pour l'aider dans sa quête, tout simplement. Sur ce les gars, j'espère que vous avez compris, c'était une explication rapide, parce que j'ai recommencé la vidéo 15 fois, avec des problèmes de son, ça me rend fou. C'est ça de faire des retours les gars, on ne sait plus comment faire. Et j'espère que ça vous plaira. Le lien de la chaîne Twitch en description, venez nombreux les gars, n'hésitez pas à follow, comme ça vous serez averti quand on fera Dare to Zlatan. Cette semaine ça sera le matin, et à partir de la semaine prochaine ça sera un bon 17h-19h pour faire les vidéos, etc. Bref les gars, c'était Airsoft, bis sur la fesse.